Kucho. Ong Chulukudai Pakam Tho Khayam Raka Niti Thi Samaka Muntray Rat Batalaka Anh Chơi Sa Say Đại Miệng Hàn Sơn Niêm Thi Si Đại Việt Dù Mùi Rồi Sai Phùng Bay Rồng Tiang Mê Gia Vi Prak Sa Sa Say Chôl Mạc Căn Nga Lai Phát Đào Thái Cám Được Nông Bột Tục Samaka Sốt đấy lục xạ giấy ta lục mua ấy nhóm bạn tôm group lục thiền ông che cấm nhóm bạn mua sum hào rồi nói rằng phun trái cùng của vùng chân trứng sụp xuống khai của vùng thôn mà lục miền này dụng con nam hay hay bọc một bộ rục xịt vừa mấy thập ngày ní Khi mà dục hữu sắp tí chân nắm mà Một bó phơ chế mì phùm Phải cho bọn Ta ở bộ bà cao bà lô gọt cho mùa ấy Hay mà nay bà cao bà lô gọt cho mùa ấy Mà bộ khi nhóm cho mùa Sớm Mà đại nhóm chúng ta Phật Châu Phật Bùn bảo lô có thêm mới hay lô miên côn bằng mặt nhé Phật Bùn chúng ta Dốt Côn bằng mùi nhé អរគុណលោកសឹមហោតាមរបាយការណ៍របស់ក្លានជីសមនការការពីម្សិលមិញថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងគឺលោកមានចំណងញាតិលោហិតនិងញាតិពុនជាមួយនឹងបកគលទាំងឡាយដែលទទួលយកជាតិដើមរងរដ្ឋបពវិនីក្នុងរឿងក្តីនេះទីហើយក៏មិនជាប់ញាតិលោហិតឬញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបអ្នកទាំងពីររូបដែរគឺលោកអនុជាតិនិងលោកគឺសំផនហើយថាលោកបានថ្បត់នៅចំពោះមុខអ្នកតាតំបងដែករួចហើយ การเป็นเสมิงแต่เปิดแม้ได้หรือเต๋บางปัจจัยขยมปุ่มยันเจอบเชียร์สัญญ์เอาไว้จมูกนึงลูกนนเชียร์นึงลูกคือสมพรเต๋บ่าวคนให้ลูกเสมเฮาขนมเนียมลูกเชียร์สะใสในขนมไก่จำนาคา นิติวิธีสำนักการในจุดพมกองจุดยมเรศลาตะบงในปีนี้ลูกอาจปฏิเสธขนมกายชลอยตอบแต่หนึ่งสำนูหรือก็ส่งไปลูกเทวทัติบายนามวยหรือเจริญได้นอนมอยดับไปรถเพียบเลยคนไอ้เสร็จมันเทวสักไก่กำไปช่างหนึ่งคนไอ้ได้ซาปัญหานี้ได้อาจการเมียนคือองค์ยมเรศบานสักกาจมวยหนึ่งองค์เพียบกองเพียสะใสหนึ่งในจุดนี้ บานพัดดอลจูนในมิติวิปรักษาสะใสมือรูปคือโลกมิติวิ
លោកអាចប្រឹក្សាពិភាក្សាយោបល់ជាមួយគាត់ចំពោះសំណួរណាដែលទំនងជាអាចផ្ដល់ចម្លើយឬក៏ក្តីអះអាងរបស់លោកមានលទ្ធភាពអាចជាការដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងគឺប្រឆាំងនឹងរូបលោកហើយទៅតាមនេះគឺលោកក្នុងនាមជាសាក្សីក៏មានករណីកិច្ចត្រូវផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៃជំនុំមុខអង្គជំនុំជម្រះនេះដោយឆ្លើយតបទៅនឹងរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬក៏ជាក្រុមនៃអង្គជំនុំជម្រះសួរចំពោះលោកហើយលោកត្រូវតែផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅអ្
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនរួមនឹងមេធាវីការពារក្តីលោកនុនធាក្នុងការសួរសាកសីនេះគឺមានរយៈពេលកន្លះថ្ងៃ បាទសូមកែតម្រូលឡើងវិញបាទមានការផ្អន់ច្រឡំមិនមែនស្នើឡើងដោយមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនទេគឺស្នើសុំឡើងដោយតំណាងសហប្រញ្ញាទេដូច្នេះអង្គខ្ញុំរះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅតំណាងសហប្រញ្ញានិងសហមេធាវីនំមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះបាទដែលទៅសួរមុនភាគីរដ្ឋទីទៀតនៃរឿងក្តីសូមជួយតំណាងសហប្រញ្ញា Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur Somhao. Je m'appelle Vincent Deville, je représente le bureau des co-procureurs et je vais vous poser des questions ce matin et cet après-midi. Tout d'abord, peut-être un point de clarification. Vous avez dit avoir été interrogé par les enquêteurs des juges d'instruction. Est-ce que vous auriez également été interrogé plus tôt, au début des années 2000, par des gens venus du centre de documentation du Cambodge? Très bien, merci pour ces précisions. Alors, pour en venir simplement à votre parcours, ce qui s'est passé avant et après le 17 avril 1975, je proposerai de recourir à un document, qui est le document IS-19.177. Il s'agit d'une biographie révolutionnaire du dénommé Sum Hao, alias Tat, né au village de Tul Trak, commune de Kampong Chen, district de Stong, province de Kampong Thom. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais remettre cette biographie révolutionnaire aux témoins et l'afficher à l'écran. Monsieur le témoin, je voudrais vous demander de vous référer à la page 3 de ce document qui comporte un certain nombre de renseignements personnels avec le nom. Non, monsieur l'avocat, c'est la page précédente, voilà, celle-là. Cette page comporte des renseignements personnels avec le nom, date de naissance, lieu de naissance de la personne qui a écrit cette biographie. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit d'une des biographies que vous avez écrites durant le régime des Khmer Rouge? Est-ce que vous souvenez qui vous avait demandé de rédiger cette biographie à l'époque?
Très bien. Je voudrais maintenant que vous tourniez la page, vous référiez à la page précédente. Il y a là un tableau, c'est la page 2. Donc juste derrière la page de garde, il y a un tableau avec un certain nombre de dates. Il est marqué lieu de travail. Et donc il y a un certain nombre de dates. Ce document pour le transcript a été traduit en français, mais comporte certaines erreurs de traduction que je vais donc corriger au fur et à mesure. Monsieur le témoin, donc je vous demande de regarder les dates qui figurent à la page 2 de cette biographie, en commençant par les trois dates qui sont antérieures au 17 avril 1975. La première date qui est mentionnée, c'est le 15 juin 1972. Il est marqué « Armée et unité de rattachement, bataillon 306 ». Pouvez-vous nous confirmer que vous avez bien rejoint le bataillon 306 le 15 juin 1972 ?306 Monsieur le témoin, s'agissant de votre biographie rédigée à l'époque du Kampuchea démocratique, est-ce que, à l'époque, les dates que vous aviez indiquées sur cette biographie devaient normalement correspondre à la réalité? Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous aviez rejoint la Révolution, et en particulier ce bataillon 306 en 1972? Très bien. Alors, la date suivante qui figure sur cette biographie que vous avez rédigée à l'époque est le 3 février 1964. Et là, on parle de l'unité de rattachement bataillon 709. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait partie de ce bataillon 709? Et la date qui suit, qui est difficile à lire apparemment, c'est mars 75, bataillon 774, bataillon 774. Est-ce que vous vous souvenez être rentré dans ce bataillon ou est-ce qu'il a changé de nom et quelles étaient vos fonctions à l'époque? Entre
Est-ce que vous avez fait l'objet d'une avant avril 75, est-ce que vous avez été à un moment donné promu, est-ce que vous avez reçu une promotion au sein de l'armée et de ces bataillons dans lesquels vous avez été, vous avez travaillé? Merci. Nơi bên nó đã cho chị con tốt nhưng mình miền thân ơn ta đã xa chiều với thế nơi chìa người ta sạch tượng tâm nó chìa dục dục chuẩn đúng không mà là thư tượng. Juste pour clarifier les choses, je voudrais préciser ce que vous avez dit devant les juges d'instruction dans votre déclaration E3-363, c'est une déclaration du 29 octobre 2008, et peut-être pourrait-on donner à monsieur le témoin une copie en khmer de cette déclaration pour qu'il puisse vérifier ce que je vais lire. Monsieur le président. Oh, mon trait de base de la carte, tout l'état de la pi, dans la table de la carte, je suis un peu. Alors, je vous demanderai, monsieur le témoin, de vous référer à la page en khmer qui porte le numéro. Peut-être monsieur l'avocat pourra l'aider. Le numéro 00-23-60-31. 00-23-60-31. En français, c'est à la page 2. Et en anglais, également à la page 2. Et donc, voilà la citation. Ce que vous avez dit à l'époque, en février 75, j'ai été promu chef adjoint du groupe. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir été promu chef adjoint du groupe en février 1975, c'est-à-dire deux mois avant l'entrée dans Phnom Penh? Monsieur l'avocat, c'est la réponse à la toute première question sur ce document. Je répète, en février 75, j'ai été promu chef adjoint du groupe. Est-ce que c'est bien correct, monsieur le témoin? Est-ce que vous pourriez nous dire, toujours pour la période qui précède avril 75, donc à partir du moment où vous avez rejoint le bataillon 306 et puis ensuite dans le bataillon 709, dans quelle armée étiez-vous? Était-ce l'armée d'une zone, et si oui, laquelle? Chỗ thì còn bên đó, nơi trong năm chất sắp rạm hơi và con nó không nốt, những trong bàn rút bu,
Merci. De quelle zone parlez-vous et est-ce que vous connaissez le numéro de la division dont vous faisiez partie à l'époque et qui en était le chef? Qui était le chef de votre bataillon? On a vu le bataillon a sans doute changé de nom. Qui était le chef de ce bataillon pendant toutes les années avant avril 1975? Merci. Pourriez-vous nous donner également les noms du chef de la zone nord et du chef adjoint de la zone nord? Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la discipline au sein de cette division à l'époque? Est-ce que vous aviez le droit de ne pas être d'accord, par exemple, avec les ordres de vos chefs ou avec la politique du parti? Pouvez-vous nous donner des exemples de ce qui arrivait à un militaire qui ne respectait pas la discipline de la division ou du parti? Qu'arrivait-il si il n'y avait pas de respect de la discipline? En tant que
membre d'un bataillon de l'armée de la zone nord. Est-ce que vous avez pris part à des combats contre l'armée de l'ONOL, que ce soit à Kampong Thom ou à Siem Reap? Merci pour clarifier. Est-ce que vous avez été blessé avant la prise de Phnom Penh ou après? Merci. Alors, au sein de votre bataillon et au sein de la division nord, est-ce que vous avez remporté des victoires militaires à cette époque, en 73-74? Est-ce que vous avez donc pu libérer certaines zones, certaines villes, certains villages? Merci, monsieur le témoin. Mais la question était de savoir si vous aviez pu, à ce moment-là, libérer certains villages, certaines villes, certaines zones. Merci, je vais en rester là sur cette question. Pouvez-vous nous dire quand vous auriez été informé du plan d'attaquer Phnom Penh, de libérer Phnom Penh? Quand vous avez été informé du plan d'attaquer Phnom Penh, Merci.
D'accord. Avant de parler de la période qui suit le 17 avril 1975, j'ai aussi quelques autres questions concernant la biographie que vous aviez sous les yeux il y a un instant. Donc, je rappelle, c'est IS-19.177. Et je voudrais lire quelques passages et vous poser des questions dessus. Alors, le premier passage que je voudrais lire est en Khmer Ali Eren 000 53 659. En français, c'est à la page 4. Et c'est la question 13 qui vous est posée sous le titre « Renseignements personnels ». Je vais lire cette question. Avez-vous déjà participé à des réunions de bilan de travail? Dans quel milieu socio exactement avez-vous effectué un travail révolutionnaire? Dans le milieu des ouvriers, des paysans, des intellectuels, des capitalistes, des petits bourgeois ou des bonzes? Que pensez-vous de ces milieux sociaux en question? Ça, c'est la fin de la question. Et vous avez répondu par écrit. J'ai travaillé et fait des bilans de travail avec des militaires dans l'armée. À présent, je travaille avec les ouvriers du commerce du parti parce que ces deux milieux sont les fondements du parti. Fin de citation. Alors, je crois que vous avez dit que les deux milieux, c'était d'une part les militaires et d'autre part les ouvriers. Quel était le statut des paysans sous le régime du Kampuchea démocratique? Merci. Nous allons revenir à toutes ces fonctions après la pause de midi. Peut-être une dernière question, Monsieur le Président, avant la pause. Toujours sur cette question 13 qui vous avait été posée dans la biographie. On a vu que dans l'énoncé de la question, on parle d'intellectuels, de capitalistes, de petits bourgeois et de bons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que, à l'époque, le dirigeant de votre bataillon ou les dirigeants du parti pensaient de ces intellectuels, de ces capitalistes, de ces petits bourgeois et de ces bonzes? បាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរនេះដោយខ្ញុំគិតថាសាក់សីមិនអាចដឹងថាតើមេវរៈសនារបស់គាត់ក្នុងសម័យនោះគិតពីអ្វីចំពោះអ្នកណាមួយនោះបានទេពីព្រោះលោកសាក់សីនេះមិនមែនជាវរៈសនាជាមេរបស់គាត់នោះទេបាទអញ្ចឹងការឲ្យសាក់សីបញ្ជាក់ទៅលើគំនិតរបស់អ្នកដទៃមិនគួរ
អាចធ្វើបានទេព្រោះវានាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានបាទសូមអរគុណអរគុណJe vais reformuler, mais l'objection n'est pas du tout fondée, selon moi. Donc la question, monsieur le témoin, de savoir si vos supérieurs immédiats vous ont dit quelle était la position de la révolution, du parti révolutionnaire, quant aux intellectuels, aux capitalistes, aux petits bourgeois et aux bonzes. En d'autres termes, vous avez dit que les militaires, que les ouvriers du commerce étaient des fondements du parti. Est-ce que, selon les dirigeants qui étaient les vôtres à l'époque, les intellectuels, les capitalistes, les petits bourgeois et les bonzes avaient également un rôle au sein de la société des Khmer Rouges ? ការជាក់ស្ដែងគឺក្នុងសម័យនោះចំពោះរបបនៃទុនអនុធនអនុធនបានន័យថាចាំពីគ្រូបង្រៀនដែលជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះព្រមទាំងប្រសងគឺមិនអាចមានបានណាដូច្នេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងន័យជាក់ស្ដែងដែលនៅជាមួយយើងខ្ញុំមានគ្រូបង្រៀនមួយជាប្រធានកងតូចដែរនៅក្នុងរបបដែលត្រូវបានឆ្នាំ76រីសែងនោះដល់វាអញ្ចេះទៅគេថាហៅទៅរៀនដល់ទៅបាត់ឈឹងអត់ឃើញត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចេះឆ្ងល់បាទអញ្ចេះបានន័យថាហើយសូតាហ៊ាននេះអត់ហ៊ាននិយាយទេគឺគោរពទៅតាមអង្គការវិន័យរបស់បាក់ទីនោះបាទខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបដោយត្រង់ទេបាទបាទអរគុណលោកដំណាក់ថាបញ្ញាអរគុណលោកសឹមហោបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយលោកសឹមហោដំណើរការស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោកនៅមិនទាន់ចប់មកឡើយទេហើយលោកនៅបន្តធ្វើបដិសកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនះនៅសៀននេះទៀតណាបាទហើយលោកនេះអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង1:30នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីឬទីកន្លែងណាមួយសម្រាប់សាក់សីរួមនេះនៅក្នុងពេលឡើងពេលឈប់សម្រាប់ហាថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងឲ្យយើងគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងប្រតិកម្មនេះវិញនៅវេលាម៉ោង1:30នាទីហើយអញ្ជើញវេទវិប្រឹក្សាសាក់សីដូចគ្នាជាមួយនឹងសាក់សីដែរហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិនាំខ្លួនលោកឃឿនសំផនទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់នៅខាងក្រោមសាលសមការនេះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងសមការនៅក្នុងបន្ទប់សមការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1:30នាទីសម្រាប់ចុះសូមជើញក្រុងចូល